Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ce matin, j'ai rangé toutes les décos d'Halloween, donc voilà, ça m'a pris quand même un peu de temps. On a fait une tartiflette maison, donc on a trop bien mangé. Aujourd'hui, c'est la tempête, ils annoncent une tempête à Amélie entre le vent et la pluie, donc je vais pas trop traîner dehors. Je viens d'arriver du coup à Jardiland, je vais voir s'ils ont commencé à installer les décos de Noël. Je crois que oui, parce que j'ai reçu un petit mail, normalement tout est installé. Donc écoutez, je vais voir ça parce que c'est toujours autant beau dans les jardineries. Nous sommes le 3 novembre. Et let's go quoi, on commence? Noël, c'est maintenant. Re tout le monde, je suis sortie du coup de Jardiland. Franchement, je me suis retenue, j'ai rien acheté. Par contre, j'ai repéré pas mal de trucs. Donc je pense que je vais attendre un petit peu. Peut-être que des fois, ils font des promotions certains jours au mois de décembre. Moi, j'ai déjà mes sapins. J'aimerais trop, franchement, cette année, prendre un vrai sapin et le mettre dans mon jardin. Voilà, ça c'est le but de cette année. Bref, j'en dis pas plus parce que ça on se réserve pour les vlogmas. Mais du coup, je suis ressortie sans rien. Par contre, je suis passée chez Stokomani. On est dimanche et c'était ouvert. Alors là, franchement, je suis tombée des nues quand j'ai vu ça. Et franchement, j'ai trop craqué pour ces petites mufles. Regardez-moi comme elles sont trop choux. Donc je les ai pris en genre un peu camel comme ça, avec des petites oreilles en fait sur les mains. Je les ai trouvées trop choux pour 5,99€. Il y a toujours des déstockages là-bas à Stokomani. Et du coup bah, j'ai pas pu m'en empêcher. On est tellement confort à l'intérieur que je les ai pris aussi en noir avec les petites oreilles dessus, en taille SM. Alors ça j'ai pas pu m'en empêcher. Je vous fais un petit haul hein, dans la voiture, plus c'est encore mieux qu'à la maison. J'ai pris ce dope. Alors je sais, j'ai plein de gel douche, mais c'est comme les bougies, ça je craque à chaque fois. D'ailleurs j'ai senti la bougie Yankee Candle à la châtaigne, je crois c'était, je l'avais pas vue celle-ci, c'est une dinguerie, ils ont dû la sortir pour l'automne, elle sent trop bon. Et du coup bref, mon gel douche que j'ai pris à Stokomani, c'est celui à la pistache dope. Je l'avais jamais testé, je suis pas une grande fan de pistache à la base, tout ce qui est glace, pistache et tout ça j'aime pas. J'aime bien manger les pistaches comme ça, mais pas quand il y a des parfums un peu bizarres. Et là en gel douche, il sent trop bon, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'il était à 1,49€, donc vous voyez un peu hein, ça valait le coup. J'ai repris une boîte de café expresso royal, café royal à mon chéri, parce que je savais pas qu'il faisait ça là-bas, et pour 2,99€, bon, je crois que c'est quasiment le même prix qu'en magasin en grande surface. Un déodorant douceur du Japon qui sent terriblement bon. J'avais plus de déodorant, donc voilà, j'ai pris ça à Stokomani. Donc j'ai pris le déodorant pour le chéri, un Axe comme ça, c'est le Gold de Temptation. Il sent vraiment très très bon. Les Malteser mais en forme de reine pour Noël. Donc j'ai trop hâte de goûter ça, vous en avez 5 à l'intérieur. Et depuis le temps que je voulais goûter les Kinder Bueno blancs, et ben au moins ça sera fait parce qu'ils y étaient à Stokomani. Et j'ai jamais goûté. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté à Stokomani. Là je me suis arrêtée du coup à la jardinerie La Verde ou Roqueta, je me rappelle plus. Bref, du coup, je vais aller faire un petit tour, voir ce qu'ils ont installé, et après, je rentre. Bon, je suis rentrée du coup chez moi, je me suis mis en tenue hyper confortable avec mon petit plaid de Noël, mon petit Mac. J'étais en train de regarder, parce que j'ai été du coup à la jardinerie Roqueta, je vous ai pas filmé, parce que franchement, c'était là où il y avait le plus de monde aujourd'hui. C'était rempli, donc c'était juste impossible. Par contre, ils ont fait un truc super beau avec les décorations de Noël, et j'ai repéré des tableaux LED, j'avais déjà vu ça l'année dernière, et j'aimerais trop en avoir un cette année. J'ai repéré celui-là, je vous montre, parce que du coup, j'ai retrouvé sur internet. Celui-ci est vraiment vraiment joli, avec plein de LED et tout, la maison toute décorée, les enfants regardent, et en fait ça bouge en fait les lumières, vu que c'est des LED intégrés, vous avez qu'à le brancher. Il y en avait plein en fait de tableaux, et je trouve que ça rend bah, encore plus un esprit chaleureux dans la maison, enfin c'est trop joli. Et du coup il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'il y avait les téléfilms sur TMC qui avaient commencé, c'est la fin du deuxième je crois de cet après-midi.
Et du coup, bah, je vais regarder le troisième. Et je crois qu'il y en a même encore un quatrième. Donc là, je vais me caler devant avec l'ordi et tout. Et demain, j'irai certainement à Maison du Monde pour voir un petit peu ce qu'ils avaient installé. En fait, j'ai évité d'aller dans les magasins tant qu'Halloween n'était pas passé. Je m'étais promis pour ne pas en fait me faire tenter parce que nous, le problème en France, c'est qu'ils mélangent Halloween et Noël alors que dans les autres pays, c'est vraiment Halloween à gogo et après ils mettent Noël. Et je trouve ça dingue. Nous, les Français, on commence à tout mélanger. C'est n'importe quoi dans les magasins. Donc voilà, je me suis dit, attends qu'Halloween passe et après tu iras dans les magasins pour voir. Donc ça y est, c'est chose faite. Place à Noël maintenant. Et surtout que la tempête arrive là cette nuit. Donc j'ai un petit peu peur. On va faire attention quand même. Donc c'est pour ça que j'ai tout enlevé les décos dehors et tout. Au moins comme ça, il n'y a pas de risque. Ah oui, j'ai vu également, ils ont refait Beverly Hills en mode maintenant quoi. Et je crois que ça passe dimanche prochain. Donc j'ai trop trop hâte de voir ça. Dites-moi si vous avez vu aussi. Est-ce qu'il y aura juste un film ou ça reste une série? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais que dimanche prochain à 21h, il y aura Beverly Hills. Donc faut absolument pas que je loupe ça. Faut que je me le note impérativement. Regardez-moi cette beauté d'amour. On n'est pas bien devant les films de Noël. Ah mon chat. Oh. Viens mon mouin. C'est pour pas chat mon mouin. Pour pas chat mon mouin. Allez, on va manger. Allez. Allez, on va manger. On va manger. On va manger. La 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 la. On va manger. Bon appétit mes anges. Je vous aime. Je voulais vous montrer, ça fait trop vite sans les toiles d'araignée, sans les décos d'Halloween. Regardez mon buffet, il est tout vide. J'ai quand même gardé mes petites feuilles automnales parce qu'elles sont trop belles. On est toujours dans l'automne, donc là je les ai gardées. Et du coup j'ai enlevé mes bougies qui étaient finies d'Halloween et j'ai mis des bougies qu'il me restait de l'année dernière dans le thème de Noël doré, comme ça, blanche et dorée. Donc j'ai trop hâte de les allumer, c'est trop beau. Re tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain. Je suis passée chez ma grand-mère parce que je devais lui amener du pain. Voilà, je suis restée un petit moment, j'ai bu un petit café. Là il est 10h30 et je viens d'arriver à Maison du Monde. Je vais enfin voir un peu qu'est-ce qu'ils ont installé pour Noël. J'ai trop trop hâte de voir ça parce qu'à chaque fois c'est toujours aussi beau. Donc écoutez, je vais agrandir encore, je sens ma collection de décorations de boules de Noël et tout ce qu'il faut. Hein? Alors on y va. Je suis rentrée à la maison, voilà le résultat. Un big sac Maison du Monde, deux sacs Primark, j'ai pas pu m'en empêcher. J'étais à Casa, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. J'ai retrouvé mon petit Pacha et mon amour de Moumoun. Et du coup, je vais me manger. Regardez ma belle tartiflette que j'avais fait hier. Donc, je vais en faire chauffer parce qu'il en reste et je vais manger ça. J'ai trop faim. Bon, ça y est. Je suis installée devant les films de Noël, c'est les inédits qui ont commencé à partir d'aujourd'hui sur TF1 et M6 pour mon plus grand bonheur. Je vous ai filmé mon haul de Noël, mon premier haul, donc j'ai trop hâte de vous le poster. Et je suis en amour pour ce pyjama de Mickey, regardez-moi ça. J'ai trouvé, il est canon, le bas aussi est trop beau, il est tout doux. Bon là j'ai mis mes draps à laver, d'ailleurs il faut que je les remette parce qu'ils ont fini de sécher, donc je vais aller faire ça. Du coup là on se retrouve deux jours après puisque bah, j'ai travaillé entre temps. Là je suis enfin en repos, donc je suis trop contente, on a fait entrecôte frites trop bon avec une petite sauce au poivre, donc on va se régaler. Bon appétit. Bon du coup j'ai encore craqué chez Primark, mais là ils ont sorti toute la collection de Noël et c'était juste oufissime, même pour faire plein de cadeaux de Noël vous avez plein d'idées à moindre coût. Et je pense que voilà, j'ai pas fini d'y retourner parce que c'était vraiment chouette, j'ai trouvé des trucs ultra sympas, j'ai hâte de vous faire le haul complet. On a fait du coup une petite pause à Ginger New York Coffee, on a pris un chocolat au caramel, c'était délicieux, chocolat chaud, avec un muffin au Twix. J'avais jamais goûté mais c'était plutôt pas mal. Je vais aller prendre une douche et me caler au chaud. Donc sur ce, je pense que je vais terminer ce vlog ici, en tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye. We wish you
a Merry Christmas.